Wesh les potes, comment ça va? Alors c'est parti pour une nouvelle vidéo de la suite de Tom. On continue l'aventure avec beaucoup de suspense. Comme vous le savez dans le dernier épisode, n'hésitez pas à aller regarder si vous l'avez raté. Parce que pour bien comprendre, Tom a tout fait pour essayer de gâcher le mariage. Mais ils ont quand même réussi à se marier, le président et la vice-présidente. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Je ne vous spoil pas, à vous de regarder. N'hésitez pas à exploser la barre des likes. Montrez-moi que vous aimez cette série. Et lâchez un like. Et les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Et activez la petite cloche de notification. Marrez-vous bien, amusez-vous bien. Et bon visionnage, ciao. Le doigt il est un peu bleu là, c'est normal ça. Mais chérie, y'a ton doigt par terre là. Y'a ton doigt là par terre. Bon ben, merci à vous, merci à vous d'être venu. On peut pas faire un mariage, il peut pas mettre d'alliance. Elle se balade en ville, elle disait à tout le monde qu'en gros, voilà, elle sort avec ton papa que pour l'argent. Elle va le dépouiller, c'est ce qu'elle raconte elle. Même le garde du corps, elle a témoigné lui aussi. T'es un gros bâtard toi. C'est pas ta maman, je le sais. Cognard, tiens, prouve ça. Prouve ça, gros bâtard. Tiens, Cognard, c'est à vous, c'est à vous, Cognard. Ça va, tu danses bien? Bah oui, et toi? Tiens, va allô toi, Cognard. Va allô, Cognard. Barré en douce là les gars, j'espère que personne m'a vu. Les gars, je vais faire venir agent X. On va gâcher son putain de mariage. Tu vas voir ce que tu vas voir, connard. Je vais prendre mon drone. Allez, c'est parti. Ok, ils sont en train de tous fuir. Le robot va me tuer. Ça va aller, bonne. Elle m'a jeté en haut. J'ai mal. Bah accroche-toi, Peter, accroche-toi. Aidez-le, faut le monter là, faut l'emmener à l'hôpital là. Affirmatif. On sait pas encore, on sait pas. Juste emmenez-le pour le moment et examinez-le quoi, faites quelque chose, je sais pas. Ça va. Oui, Peter, envoie ta main. Non, viens. Vas-y, monte dans l'ambulance. Monte dans l'ambulance. Mais je sais pas, il y avait un drone, je sais pas quoi. Je vous laisse monter avec lui, on vous rejoint à l'hôpital. Elle est avec moi, mon papa. Mais pas avec notre connasse. Tu regardes des vidéos en attendant. Et après, boule blanche. T'es un malou? Je sais pas. Ouais. Je suis fatigué. Tu vas lui faire passer une radio là, Ariane. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Pourquoi s'il est plus beau qu'il meurt avant? Je suis désolé, papa. Je savais pas quoi faire. Merci beaucoup, monsieur. Vous m'avez sauvé la vie. Tu veux que je te mette une pommade? Plutôt pour lui, il en a plus besoin, regarde-moi sa tronche. Ah non, à cause de moi, c'est pas fait à lune de miel. Non. Ah mais t'inquiète pas, on va partir de toute façon du fois qu'il ira mieux. Non, Cora, faut pas être triste. Ça serait carrément ça serait mieux de les emmener dans des pauvres voitures de police. Oh là là, Cora, à cause de tout ça, tu as pas pu faire ta lune de miel. C'est pas grave, on la fera quand tout s'arrangera. Oui. L'essentiel, c'est qu'on soit mariés, c'est tout. Regardez-moi cette belle princesse. Oh là là. Toute femme mérite un magnifique mariage, mais toi, tu l'as pas eu. Ne t'en fais pas, c'est pas grave. Et maintenant, tu vois, le positif, c'est que je peux appeler fiston. T'es mon fils maintenant, ça y est. Mais je te considérais comme mon fils. Si tu as besoin de quelque chose, je ferai tout pour que tu l'aies, voilà. Allez, va nettoyer ton visage, là, regarde, tu les maquillages, t'as trop pleuré, faut pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux bien me raconter? Il y avait une boule blanche, là. Il m'a pris, après, il m'a jeté quelque part, je sais pas ce qui s'est passé. Mais là, ça va mieux? Enfin, tu t'as pris tes médicaments? Oui, je suis à l'hôpital. Papa, je sois, tu dors avec moi parce que je suis matisé. Oui, pas de problème. Vas-y, déjà, je te rejoins. Mais dis que je peux pas te tuer, mais bon, ça m'empêche pas de gâcher un peu le mariage. Voilà, j'ai été gentil, en tout cas. Content de toi. Cognasse, parce que la prochaine fois tu vas mourir. Je vais laisser mon papa profiter encore un petit peu et je vais te couper en morceaux. Et je vais te faire la plus pire mort que je n'ai jamais fait, cognasse. Je voulais savoir si ça allait mieux. Non. Je me dis que on peut mourir à tout moment et que... Ah oui, ça c'est sûr. Qu'on n'est plus en sécurité. Bah oui. Moi tout ce que je comprends c'est que si on veut demain on n'est plus là quoi. Bah oui, déjà t'as perdu ton visage, après ton doigt. Et la prochaine fois ça sera quoi? J'ai peur pour toi, Cora. Je t'aime pas mais j'ai peur pour toi quand même, tu vois. Tu mérites pas. Pourquoi tu ne m'aimes pas, Tom? Bah parce que, comme ça. Mais je t'aime pas en tant que maman, mais je t'aime bien, voilà, mais pas en maman. Si tu veux, on prendra un verre, toi et moi, tout seul, un jour, comme ça, on apprendra à se connaître. Si tu veux. On ira au manège et j'achèterai une voiture. J'ai entendu dire que tu aimais bien les Lamborghini. Oui, j'aime bien les Bibini. On prendra un bateau, on va aller très loin dans la mer, on va faire Titanic, t'inquiète pas. Tu veux, on partira en voyage les deux?
Ça te dirait? Oui, y a un billet pour toi si tu veux après. Ben voilà, ben je vais en acheter un autre pour toi. Mais toi, j'ai un billet spécial pour toi, t'inquiète pas, c'est une surprise. Ah, t'inquiète pas, moi aussi j'ai mon billet. Un billet, un beau billet. Bah oui, faut qu'on fasse un effort, toi et moi. Moi, j'aimerais beaucoup que qu'on essaye de s'entendre pour qu'il soit heureux. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pour ça que je te dis, un jour, on apprendra à se connaître, comme ça il soit fier de nous. Il sera content, j'en suis sûre, ça lui remontera le moral. Excuse-moi, je voulais pas te faire peur, j'avais oublié que tu étais très sensible comme garçon. Bah oui. Bon, ouais. Allez hein, bonne nuit enfant sauvage. Au revoir Cora. Au revoir Tom. À demain, ou pas. Bon les gars, on est quelques jours après le mariage, etc. On n'est pas le lendemain, on est quelques jours parce qu'après j'ai pas tourné. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, il faudra commencer à accélérer les choses. Mon papa, je sais pas, il va profiter. J'espère qu'il a déjà profité comme ça moi. Je peux en finir avec elle là parce que sinon. Ça va pas le faire. Papa, ah, fiston, papa, ça va et toi, fiston? Ça va tranquille, doucement, doucement. Eh, hey, j'ai vu là quand j'étais à la maison, j'ai vu que. Apparemment, t'as dit que t'as une surprise pour moi, t'as chine. Bah quand t'as été gentil pour le mariage, j'ai décidé de te faire un cadeau aussi. C'est normal, non? Tu seras plus grand, tu pourras l'emprunter, ouais. Je sais pas, j'attends la vice-présidente, là. Je sais pas ce qu'elle fait encore, c'est là, je te jure, après le mariage, je l'ai plus revue, là. Je sais pas si c'est forcé parce que peut-être qu'elle a perdu son doigt, là, tu te rappelles. Tu l'as pas encore niqué? Parce que moi, j'ai des choses à faire, hein. Donc, nique la vite comme ça, moi, je la nique après. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, là? Tu dis, nique là, comme ça, fais un bébé. Tu veux un petit frère, maman? Non, c'est bon. Bah, du coup, on y va. Ah, bonjour, tête de con. Ah, bah, tête de con. Eh, monsieur, monsieur sécurité, sortez le véhicule, là. Eh, bouge ton cul, là, putain de merde, t'es payé pour quoi, là? Oh là là! Oh là là! Oula, fiston. Merci à toi, fiston, d'être là. T'inquiète pas, popo, doudou, la crème, chérie, cacahuète, pistache, Nutella. Tu as ajouté Nutella, mais tu as ajouté quoi bientôt d'autre? Ta grand-mère. Quoi? Quoi ma grand-mère? Eh, hey, elle est gentille, hein. Bah c'est pas, j'ai entendu quelqu'un dire ça, c'est ta grand-mère. Je sais pas moi. Mais non, putain, ça se dit pas ça. Ton grand-père. Mais non, tu rajoutes personne de la ta famille. Ta mère fiston. Non mais fiston, tu vas voir, tu vas être confisqué dans mon poste dans un moment. Non, pas le membre de la famille, je t'ai dit. D'accord. Il est content. Il a sorti une voiture, il est content. Oh, il est content. Wow. Vas-y, vas-y, mets-toi dedans, vas-y. Papa, t'as acheté ça? Tu m'en tiens, je te donne. Bah oui. Regarde. Après, un jour, je vais pouvoir conduire ça. Bah bien sûr. Ah, oh putain, on fait peur. Hé, hey, ma chérie, ça va ou quoi? Salut, ma conne, la plus belle. Ça va? Tu as bien dormi, Minimoys? Bah bien sûr. Comment tu l'as appelé, là, Minimoys? Oui, mais c'est affectueux, c'est... Il sait qu'il aime bien. Bah oui. C'est ça, tu laisses appeler comme ça, toi, maintenant. À chaque fois, je te dis mon petit tonton. Mais laisse ça, papa, il fait pitié, regarde. On l'a monté à l'envers. Pourquoi tu dis ça qu'on l'a remonté, on l'a monté à l'envers et il faut la redémonter là pour la remettre à l'endroit là? Mais pourquoi oui, tu regarde. Dis ça? Quoi, à cause de son doigt là qu'elle a perdu l'autre fois? Oui, oui, dis-moi. Ah ouais, t'as pas vu le joli cadeau que j'ai fait à mon fils aujourd'hui? Non, vas-y, montre-moi. Oui, viens voir. Ah ouais, ah mais carrément, ah, mais du coup c'est ce que tu veux faire, t'as choisi ton métier, tu veux être pilote de course? Après moi, c'est pas obligatoire ma chérie, ça peut être une passion. Moi j'aime les voitures moi. Voilà. Voilà. J'aime les voitures, ma chérie. Et comme il s'est bien conduit au mariage, où il a été serviable avec les amis. Ah oui, c'est vrai normal. C'est normal qu'on lui offre une voiture. C'était sage, vous l'avez vu? Il était sage. Ah, je vous souhaite le plus grand malheur bonheur du monde. Vous méritez l'amour, vous deux. Ah ouais, ça c'est. C'est quand que vous allez niquer? Mais ça se dit pas, ça, fiston. Vous avez déjà niqué ou pas? Tu l'as soulevé ou pas, papa? Tu l'as soulevé? Bah non! Demande à l'agent de sécurité, demande la même chose pour voir s'il va te dire ouais. Tu vas lui demander ouais, est-ce que vous avez déjà niqué? Tu vois, il va dire mais ça vous regarde pas. Combien tu parles? Ça se voit, ça se voit. Ça fait quoi, fiston? On est mariés maintenant. Ma chérie, je pense qu'on va le prendre avec hein, pour la lune de miel. Hein. Ah ben oui, avec plaisir. Hein. De toute façon, j'avais réservé un billet pour lui. Allez-y, on est amoureux. Non, y a pas de soucis. Je vais vous laisser aller en amoureux. Vous méritez l'amour. Monsieur,
Mais tu vas faire quoi de tes journées, fiston? Tu vas Non, mais faut qu'il prenne avec nous, hein. Je vais prendre ça, il va aller faire un petit tour dans la ville. Allez, salut. Ouais. Mais il n'y en a pas de babysitter, on peut pas le laisser tout seul. Attends, je vais ouvrir le garage. Non, il va pas te sortir avec ça. Ouais, merci en tout cas. Amusez-vous bien, niquez bien. Moi, je vais aller voir les deux pus. Oh, je vais aller voir les deux pus, ouais. Non, mais fiston, c'est pas parti. Je vais aller voir les deux pus dans cette voiture. Oh putain! En vrai les gars, faut que ce soit je bute la vice-présidente là. J'ai envie de laisser mon papa d'abord profiter de sa lune de miel et après je la bute. Mais pas maintenant. Donc déjà là, on va faire un petit tour. Je vais parler avec eux comme ça là. Je peux préparer mes plans, tu vois. Si je vais avec eux, ils sont partis au comico. Ben allez les voir. Salut les trous vieux. Allez bien. Oyo, ma copine elle est là, Rose. Je vais la mieux faire un petit tour dans ma nouvelle voiture. Ah non, désolé, elle est pas là pour l'instant. T'es pas parlé, toi. Fiston. Petite tête. Non mais tu te calmes, fiston là. Oui, mais t'étais fou, mais là, pour me l'envie, là. T'es dit que tu devais faire des cours, là. Mais j'ai une petite tête, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive? C'est la fête des petites têtes? Bonsoir, monsieur gouverneur. Ah oui, il a une grosse tête, lui. Hein. Je peux vous aider? Non, c'est tout bon, c'est tout bon. Je crois que je vais prendre des vacances, là. Je crois qu'il me faut des vacances. Ma sirène! Ma petite sirène, ça va? La plus belle! Oui. La beauté fatale! Bon, allez niquer vous deux, comme c'est en finissant, Dépêchez-vous, là. Quoi? Bah ils vont aller niquer. Qui? Mais ça se dit pas, fiston. Bah tu vois, ils vont faire du miel. Ouais, papa a dit il va amener sur la lune, après il va mettre du miel. ça ne regarde pas. Ah, on regarde un peu trop la télé, mon fiston, je crois, mais bon. Laissez faire, c'est son jour aujourd'hui. Et à la fin, il y a toujours un meurtre. Quoi? Bah oui, donc. Oh, c'est un meurtre. Mais j'ai regardé un film, c'est comme ça. D'accord. C'est bien, c'est bon, c'est joli, mais après il y a un meurtre. C'est matisant, hein. C'est très matisant. Et j'ai un cadeau pour toi. Ma sirène, viens voir. Pourquoi t'as caché un ballon sous ton ventre? Un ballon, non, ça, sous ton ventre? Je dirais un sac de base. Non, mais tu peux m'entraîner? Non, surtout pas. Non, faut pas. Mais pourquoi t'as un ballon? J'ai un bébé, toi. Ah ouais, il y a un bébé là-dedans. Mais comment ça sort? De lui. Faut couper le ventre. Tu vas couper ton ventre. Non, pas de soirée. Tu mérites pas ça, toi. Cognon, c'est ta faute, ça. T'es content de toi, t'es fier de toi. Après, bah, ça va sortir comme par magie. Après, ça te fera un copain et tout. Ce sera un copain pour toi. Ouais, et voilà. Vous pourrez jouer tous les deux. Tom, comment ça se fait que ton père m'appelle en disant que tu te balades avec du coup ce véhicule? Bah, il m'a dit que c'était pour moi. Tu roules pas en ville avec ça. Je voulais faire une surprise à Rose. Sympa, mais c'est pas vraiment avec ce genre de véhicule qu'il faut rouler en ville. Tu sais ça, Tom. D'accord, je vais aller le déposer. Hein, y a pas de souci. Fais attention à ton ventre. Et toi, fais attention à ton zizi, toi. C'était pas toi qui m'a coupé son ventre. Non mais personne va me couper le ventre, t'inquiète pas. Mais comment ça va comme ça, un bébé? Eh ben ça va sortir que bah glisser comme un petit savon, ça fait un pouf comme ça. Mais où? Par le nombril? Ouais, voilà, tu vois. Après on va appuyer un peu sur le nombril et ça va faire pouf, il va sortir. C'est dégueulasse. Comme par là où il est rentré, oh, quoi. Oh, c'est dégueulasse. Ça doit faire mal, ça. La nature. C'est un peu comme ça qu'on est. Tu vas être lâche du nombril, hein. Quoi? Ah ouais. Ça va devenir lâche ton nombril. Ah bon. Je pourrais jouer à cache-cache à l'intérieur. Oui. Non, t'es trop grand par contre pour ça. Du coup, comment je fais avec ça? Mais je vais la mettre dans un box et puis. Oui, garde-lui là-bas. Je viendrai la voler tout à l'heure. Je viendrai la nettoyer. Oui. Regarde-moi les yeux. Regarde-moi les yeux là. La connasse à côté là. Putain, heureusement que toi t'es pas comme elle. C'est une connasse. C'est arrangé d'ailleurs avec elle. Tu peux la taper, s'il te plaît. Tape-la. Mets-la un coup de poing. Mais je peux pas faire ça, Tom. Je vais perdre mon travail. Puis elle est gentille. Elle a rien fait de méchant. Puis en plus, ça va mieux toi depuis la dernière fois parce que bon. Je fais avec, mais vous êtes encore là? Ah oui, on va y aller, t'inquiète pas. D'accord. Ma cigarette. Vous allez prendre un avion? Ah bah je pense, hein, je sais pas. On va essayer de voir, je vois que. Faut faire attention, hein, ça serait dommage que l'avion se crache, papa. Oh, ça se crache. Moi j'aime pas l'avion, ça fait peur. Qu'est-ce que t'en penses, ma chérie? Tu veux plutôt une villa ou on s'éloigne carrément d'ici là et on coupe? Ah bah on va faire un vrai voyage de noces. Tu veux qu'on fasse un voyage de noces au centre-ville? Non mais j'ai pas dit ça. Quand même. Bah non, t'inquiète ma chérie, on va prendre l'avion. Bon, allez, non, allez, bougez-vous là. Tiens, qu'est-ce que vous allez faites, bien, ma chérie. Allez, vous, t'envoyez en l'air. Arrête de dire ça en ville. Chut, ça va si voler. Tu dis quelque part à la maison, etc. Mais tu vois. Mais tu vas pas prendre l'avion? Bah si, on va aller prendre l'avion là. Bah c'est ce que je disais, bah t'envoyer en l'air. Alors, direction à l'aéroport là.
Cora. Oui. Ah, dans l'avion, la ceinture, c'est pas obligatoire. Hein, tu vois, parce que, tu vois, j'ai pas que ça abîme tes vêtements. Donc, t'es pas obligé de mettre la ceinture. D'accord, bah, je voilà. Prendrai en note. Merci beaucoup, Minimoise. Y'a pas de soucis, hein, supermarché. Voilà, fiston, tu fais gentil, hein. Et on revient bientôt, hein. T'as mon numéro au cas où, hein. Allez, à plus, fiston, hein. Fais pas le fou, hein. Allez. C'est bon, ils sont partis. Let's go. Let's go, ma poule. Alors, il est où, ma Ferrari? Il est où, ma Ferrari? Ah, voilà. Allez, on bouge. Allô, vous êtes en position? Oh, ouais, mon ref, on est en position, mais putain, il fait chaud ça, mais wesh. Vas-y, qu'est-ce qu'on doit faire? Attends, ils vont bientôt prendre l'avion. T'es avec qui? Moi, je suis avec mon cousin, là, comme d'hab, là, tranquille, là. On est en position, on attend la femelle, là, tranquille, on est prêt, on a ce qu'il faut. Vous avez des armes et tout? Ouais, tranquille, tout est là. Alors, le plan est simple, vous devez tout faire pour saboter leur lune de miel, d'accord? Et ensuite, j'ai préparé une île que je t'envoierai les coordonnées, d'accord? Il y a un conteneur là-bas, tu la kidnapperas pour moi. Ouais, t'inquiète pas, mon ref, on est capable de tout. C'est bien. Et après, vous serez récompensé, je vous paierai des millions, d'accord? Faites le boulot comme il faut, capturez-la pour moi. Et je vous rejoindrai après. Ouais, chef, bien compris. Allez, amusez-vous bien.